Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui, on est reparti sur Workers and Resources Soviet Republic. La dernière fois, on avait modernisé notre installation au niveau de l'eau. Vous voyez que nous avons ici une grande station d'épuration. On avait fait la même chose pour le traitement des eaux. Je ne sais plus où est le bâtiment. Je crois que c'est lui. Non, ça c'est une prison. Voilà, grande usine de traitement de l'eau. Et grâce à ça, on a maintenant la capacité de... d'arroser tout le monde, hein. Et tout le monde a de l'eau, tout le monde est content, tout se passe bien. On avait aussi ajusté un petit peu l'incinérateur avec une voie à sens unique, et vous voyez qu'il n'y a plus de bouchons, tout se passe bien, tout va très bien, et ça c'est plutôt cool. On a aussi, oui, fait une nouvelle distillerie pour essayer d'exporter un petit peu plus d'alcool, parce que si c'est plein, donc ça serait pas plus mal si on arrivait à vider les stocks et à faire de l'alcool en masse pour en vendre, quitte à même à faire plus tard une nouvelle usine textile. Ça pourrait être bien ça, une nouvelle usine textile. On va voir ça aujourd'hui dans cet épisode, sachant que côté population, vous voyez qu'on a toujours 0% de chômage. Faut dire aussi qu'ici, on a toute notre industrie du charbon qui tourne pas. Aucun travailleur classique, et qu'il va falloir qu'on se fasse une petite ville ici. C'est l'objectif de cet épisode. Mais avant de démarrer et de se faire donc cette nouvelle ville, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes et laisser un gros pouce bleu, comme ça c'est fait. Donc on va mettre en pause, une fois n'est pas coutume, mais ouais, quand on fait une ville il vaut mieux mettre la pause. La gare, elle est là. Vas-y, comme ça on va se mettre par là. On va aller loin. Attendez. Non, j'ai oublié un truc. La grille. Il me faut la grille. Voilà, comme ceci. Ça me semble bien. Ensuite. Je suis pas très bien en fait. Comparé au rail. On va se mettre jusque là. Toi, pareil. Je veux que tu ailles ici. Très bien. On va repartir par là-bas. Ok. Maintenant, on va faire des petits ajustements. Premier ajustement, j'aimerais me mettre une gare routière. Parce que c'est, on a vu que c'était extrêmement puissant. Et pour l'avenir, ce sera essentiel. J'aimerais avoir la gare routière au centre. Par là-haut. Voilà, l'objectif... Non, c'était bien dans ce sens-là. L'objectif, c'est d'avoir la route qui... soit bien placé déjà, et ensuite des accès piétons un peu partout. Ça c'est important. Voilà, comme ceci, et avec, on a dit, accès piétons de l'autre côté, comme ça. Voilà, ça c'est le plus important dès le début. Ça veut dire que si je construis des quartiers des deux côtés, j'aurai accès à des bus, sachant qu'il va me falloir donc un arrêt de bus ici. Hop, on revient là. Arrêt de bus là. Voilà, vous allez me dire, c'est peut-être pas nécessaire, mais moi je veux avoir un arrêt de bus à côté de ma gare. Et ça devrait nous aider pour le transport de toutes les ressources derrière. Hop, passe. Comme ça. Comme ça. Et de la même manière, d'ailleurs, toi, j'aimerais que tu rejoignes ici. Il veut pas, il y a une infrastructure qui gêne le passage. Mais non. Mais non, regarde, ça gêne pas. Voilà, et plus tard, si j'ai besoin de me faire du ferroviaire, on va en profiter. Voilà, bon, tout ça, ça me coûte cher. C'est pas très grave. Va lancer la construction, comme ça on voit combien il nous reste d'argent. Ok. Ouais, parce que ça coûte cher, ça, à construire. C'est fait, on a 549 000. 47. Très bien. Côté bâtiment, maintenant. Il va me falloir des maisons, mais on va commencer par se faire un centre commercial. Petit. 405. On va faire celui-là, 180. Qu'on va placer ici. Non, bah non, il faudra qu'il soit là. On va se placer là. Au milieu, ici. Ça me semble très bien. Comme ça, je pourrais faire plein de chemins piétons partout. Ça me semble cool. La route ici, très bien. Il va me falloir toujours dans les bâtiments de la zone résidentielle. On a fait ça. Restaurant, peu importe. Un bistrot, peu importe. Pour l'instant, du cinéma pour de la culture, oui. Qu'on va mettre là. Ça me semble très très bien ici.
Galerie d'art, peu importe. Terrain de foot, peu importe. Pour l'instant, je voudrais des maisons. Les maisons, ça va être compliqué de bien les caler, mais ouais, elles vont être là. Ne place pas les routes. Je voudrais ici. Ici. On va tout entasser, hein. Cherchez pas. C'est le but, c'est que ce soit proche de tout. Dans un premier temps. Non, pas ces deux-là en fait. J'ai oublié un truc très important. C'est le chemin piéton que je voulais mettre. Que je voulais mettre ici. Il a pas voulu. Là. Parce que eux, évidemment, ils ont pas d'autre accès. Voilà, comme ça. Voilà, parfait. Ça, c'est cool. On va reprendre les mêmes bâtiments. Qu'on va pouvoir remettre ici. Et là. Et là, on a un petit souci sur le bâtiment de gauche. Je peux pas le relier. Mais attendez, il y a un problème là-dessus, non ? Non, il n'y a pas de problème. Ah, je peux pas le relier. Lui, je peux. Oui, très bien d'ailleurs, on va le faire. Mais lui, je peux pas. Démolis-le. Et on le replace. Oui, ici, ça sera bien. Très bien. Il veut pas. Bâtiment gêne le passage. Ça veut pas. C'est pas grave, on va se faire autrement. On va faire autrement. Changement de plan. On va le mettre comme ça. C'est très bien comme ça. Voilà. Il va nous falloir... Je sais, j'importe les gens. Hein. Il va nous falloir des collectes de d'ordures. Déjà, là il veut pas. Là il voudra bien. Ah ouais, je suis tout juste. Il veut pas. Eh ben il veut pas. Plus petit alors. C'est pas grave. Dans ce cas-là, on peut le caler là. Non, je veux mettre une route. Mieux. Là. Et ici aussi. Pour le principe, toi tu couvrais tout. Tu devais couvrir lui aussi. Ici. Voilà. Ici. On sera bien. Il nous manque évidemment toujours l'électricité, l'eau, tout ça. J'ai rien géré. Oui. Sachant qu'on a quand même déjà ici une station d'épuration. Enfin, une station d'eau. Il ne manquerait plus que l'évacuation. Descendant en sous-sol. Je vais avoir besoin d'embranchement à fond. Un là. Un là. Un là. Je pense que ça peut déjà être bien. Des grosses canalisations, évidemment, pour relier tout ça. Hop. Hop. Voilà. Et des stations de distribution. Voilà, qu'on va mettre... disons là. Ça me semble bien. C'est un peu au milieu, c'est cool. T'as pas besoin d'être gros. Hop, petite station. Très bien. Côté collecte des déchets, même principe. Dans l'autre sens. Non, pas dans l'autre sens, qu'est-ce que je raconte? Il va me falloir refaire de l'épuration et balancer l'eau. Donc, on va se mettre là et on va commencer par placer donc l'évacuation. Comme ça. Évacuation des eaux usées. Dans l'autre sens, ici. Ah, j'avais une zone. Presque. 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 Oui. Ça, c'est cool. T'as pas besoin d'électricité, toi, normalement. Ok. À partir de là, il me faut, on a dit, station des traitements des eaux usées. On va pas faire la grosse, hein, parce qu'elle coûte beaucoup plus cher. Qu'on va pouvoir mettre ici. Là, il y a accès à de l'eau. Mais j'aimerais la mettre là.
que si je pouvais avoir accès à l'eau, ça m'éviterait de faire un embranchement supplémentaire, ce serait bien. Hop. Raté, ça, avec la grille. Merci. Voilà. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Il va nous falloir nous mettre, on a dit, des collectes d'égouts et des pompes. Ici, collecteur d'eau usée qu'on va relier là. Comme ça, ça me semble bien ici. Très bien. Et tu m'envoies ça dans un commutateur d'eau usée. Là. Ouais, ici, ça sera bien. Petite pompe. Parce que je crois que j'ai toujours besoin des pompes pour envoyer. Et une autre là. Voilà. Et toi, t'envoies à fond. Attendez, non, on va pas faire une petite ici. On va faire une grande, ce sera fait. Quoique, j'ai pas de grande, ça existe pas, grande. C'est juste une pompe, oui. Gros tuyau, donc. Évidemment, ça pour évacuer, faut toujours des gros tuyaux. Voilà. Ici, tu viens là, là, là. Et toi, t'as pas besoin d'être gros normalement, mais dans le doute. Vas-y. Ok, maintenant il nous faut l'électricité. Ça, l'électricité, ça va être important. Sous-station électrique. Il nous en faudra une. Qu'on va mettre assez haute. Oui, là. Et une. Parce que toi, t'es. Ouais, t'es basse. Et une ici. On va dire. Et une ici. Ah non, là. Ouais, là. Évidemment. Économisons la place. Ça veut pas. Qui veut pas? J'ai trop construit. Là, il veut bien. Bon, bah, ah, mais c'est la gare de bus. On s'en moque de la gare de bus. Ici, bon. Ici. Très bien. Il va me falloir me changer des choses dans ce coin-là. Parce que j'ai d'électricité, là. Oh, quoique, ça passe. Ça passe. On va le faire ici. Le petit transfo qu'on va mettre là. Si j'arrive à trouver la place. Bon, il sera loin. Ah, j'en ai besoin là-haut aussi. Bah viens là. Voilà, très bien. Pour le principe, on va mettre des routes. Comme ça. Il veut pas. Tant pis, bah ça sert à rien là. Je voulais faire pour le principe, histoire de bien faire les choses, mais bon, s'il veut pas, il veut pas. Hein. Toi. Viens jusque là et ensuite on enterre pour aller à gauche. Ah oui, mais j'ai des tuyaux dans ce coin là. Comment ça tu... Si tu la continues, bien sûr. Tu vas jusque là, et de là tu vas là. Ça a raté? Non, c'est, ça a l'air bon. Et toi? Non, comme ça. Pas besoin d'envoyer du 2.35. Du 1.50, ce sera suffisant. Pour rejoindre lui. Voilà. Là, on a électricité, eau. Très bien, il nous manque plus qu'une chose. C'est la gestion des déchets. Et chauffage. Bien sûr, le chauffage. Que j'ai failli oublier. Et pourtant, ça, c'est très important. Puis on pourra même se servir du charbon à un moment qu'on a. Mets-toi là-haut. Quoique, ça a besoin de chauffer des trucs ici, non? Non, c'est juste ici pour l'instant.
Ça peut aller loin. On va se mettre là alors. C'est une infrastructure. Ok, on va se rester là. Comme ça. Ouais, ça me semble bien. Comme ça, on... la route, c'est la même. On fera juste un petit passage piéton pour tout accélérer. Hop. Hop. Très bien. Il va nous falloir un centre de distribution pour le charbon, pour l'amener dans ici. Ce serait sympa. On verra. On va y aller. Petit centre de distribution, non, un moyen. Et il fera les ordures. Lançons en construction déjà, parce qu'à mon avis, on doit plus avoir de sous là. Surtout avec les migrations qu'on va prendre. Ça va nous coûter extrêmement cher tout ça. Attention, l'or. N'obtient pas les citoyens. Ça coûte trop cher. Si je les veux, je les demanderai après. Déjà, construisez-nous tout ça. Ce sera top. Ok, ça c'est fait. Des citoyens. Bah, invite des migrants du bloc soviétique, vas-y. 130, ouais. Déjà, ça va commencer à essayer de bosser. Oui, j'ai oublié un truc. Il faut que j'aille dans mon centre de distribution. Lui, ajoute. Ce bâtiment est incompatible. Oui, lui, bien sûr. Très bien. Toi, malheureusement, tu vas aller loin, mais tu as besoin d'approvisionner. Lui aussi. Voilà, très bien. T'as pas d'essence, toi? Il a pas d'essence. Ok. Et si ça se remplira un jour, hein? Je suis pas inquiet. Ce qui compte, c'est que il manque du charbon. Oui, on avait dit qu'il me fallait un centre de distribution. Centre de distribution, il pourrait être petit. Hein. Il pourrait être petit pour le charbon. Qui est juste ici. Mais il faudra un accès à la route. Pour le principe, éclairez-le. Ah, vas-y. Voilà. Et on a dit un centre de distribution. Ah, je peux pas les mettre. Il va nous falloir un gratuit. Le gratuit, ça passe. Hein. Honnêtement. On va mettre le gratuit ici. Ah, j'ai droit qu'à 5 gratuits. D'accord. On a dit qu'il me fallait... Rémion Ben. C'est mieux. Capacité totale. Ouh, ça fait beaucoup ça. Et ça va pas vite. 12 tonnes. Ça me semble bien 12 tonnes. On va en mettre 2. Très bien. Et toi, on a dit... non, toi, on a dit que tu allais t'approvisionner ici. Enfin, tu charges le charbon. Aucune liaison entre le garage, oui. Et maintenant, oui. Très bien, ça décharge. C'est qu'il y a 50%. Elle est où mon autre... C'est toi. Pareil, 50%. C'est bon. Il a compris. Très bien. Donc les camions vont aller faire le plein d'essence. Même pas, récupère du charbon, que ça nous serve un petit peu en fait. Ouh, c'est pas rapide à charger, c'est pas très grave. Et après ils vont approvisionner ça à fond. Par contre 50%, je veux 80%, je veux qu'on le voit en fait. Très bien, 78% normal, parce qu'il commence à avoir chaud, bah avoir froid plutôt. Il n'y a pas d'hôpital. Y a pas trop de sport non plus. Terrain de foot. Allez-y. Ici. Il me faudrait une piscine couverte aussi. Voilà, pour le principe. Ce sera bien ici. Parce que mon objectif, c'est d'avoir ici un autre chemin piéton qui aille jusque là. Et toi, tu peux faire ça. Comme ça. Ah, elle est pas bien celle-là. On va démolisser ça. Ça aussi. Piéton. Comme ça. Ça peut se relier.
Excellent. Voilà. Quand même. Qu'est-ce qui vous manque? Pas d'école, pas de crèche. Effectivement. Ici, ça bosse. Ça diminue tellement vite. Ça diminue tellement vite. Ce sera pas suffisant. Ajoute un véhicule. Le même que lui, hein. Ouais, bah oui, un de plus. D'accord, le fer augmente. Très bien. Ça va partir là où ça peut. Ok. Ça descend moins vite, j'ai l'impression. Ah oui, mais il y a moins de production. Surtout ça, en fait. Mais pas d'école, pas de crèche. J'ai 124 000. Ok. Bâtiment public. Il faut un hôpital aussi. Crèche. Une grosse crèche. Ici, c'est mieux. À côté de la centrale. Enfin, pas de la centrale, mais de la... Le truc qui chauffe, là, de la chaufferie. 544 élèves. Ouh, c'est gros. Trop gros. Trop gros pour l'instant. Et l'école, on va la mettre là. À côté du terrain de foot. Ouais, les liaisons sont bizarres. Très bizarres. Là. Ok. Hop, on relie là. On relie... là, ce sera déjà bien. Voilà. L'argent est en train de descendre à toute vitesse. C'est sûr. Poum poum. Il me reste 85 000. Embauche des gens. Voilà. 100 personnes de plus. Venez travailler. Il y a quand même des employés, des professeurs et des élèves. 18 élèves. Ok. Donc ici, ils peuvent travailler un peu plus normalement. Car enfants en bas âge. Oui, c'est bon, allez-y, il y a de la place. Qu'est-ce qui vous manque? Ils peuvent pas travailler. Oui, très bien, il manque un bar, il manque un bistrot. Si vous voulez. Toi, c'est bon, t'as approvisionné? Non, toi, t'es approvisionné? Ouais, t'as un approvisionnement automatique, hein, c'est ça que t'es en train de me dire. Même pas? Non, non, je n'ai rien dit, ils sont pas en approvisionnement automatique. Enfin, si, en vêtements, il y en a pas électronique. La viande, ils sont venus. D'accord. La nourriture, ils sont venus. Et les vêtements, non, pas encore. Ok, bon, c'est déjà bien. Il y a de la route quand même. Un jour, on fera des trajets en train pour qu'ils puissent faire ça plus vite. Pour l'instant, la chaufferie, c'est elle qui m'embête le plus. 22 tonnes, ouais. Et toi? Ah, elle flux tendu, hein, évidemment. Évidemment. Compliqué avec le petit poste de distribution, il faudra un plus gros. C'est ça que ça veut dire. Ici, ça produit 4. Et ça, ça transforme. Ouais, l'exportation, il y a de la réserve. Bon, attendez, on va se faire un vrai centre de distribution. Un vrai centre de distribution qui va être là. Et on va le faire grand. Pour le principe. Mais qu'on va placer... côté de la station service. Je sais pas. Par contre, un truc qui serait vraiment intéressant, c'est si je pouvais passer au-dessus de ça. Est-ce qu'on peut faire un pont? Si je viens de là. Le bâtiment gêne. Ouais, non, ça va pas vouloir. Ça va pas vouloir. Ok. Bon. En attendant, j'ai 191 000. Il manque encore un truc. Il me manque la gestion de mes déchets. Il me faudrait un petit incinérateur. Qu'on va caler. Ici. Comme ça, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. On va remettre en pause. On va faire la même technique que ce qu'on a fait la dernière fois. Parce que je sens qu'il va y avoir du monde. Il y a le poteau qui m'embête. Bon. C'est dommage, c'est joli quand on fait une petite déviation comme ça. Voilà, comme ça.
Reviens là. Et remets-toi là. Maintenant. Ah, je crois que je suis trop loin pour l'incinérateur. Trop loin de l'eau. Ok, on va se limiter là, donc. Au plus loin. Voilà. Très bien. Et ici, sans sa route... Enfin, route à sens unique, après, on va la faire. Voilà. Jusque là. Très bien. Maintenant, ce qu'il va me falloir, c'est un dépôt. Non, pas un dépôt. Un centre technique. Dépôt de véhicules. Non, c'était bien centre technique, service technique. Gros, de préférence, 15 véhicules. Ouais, ça me semble bien. Il a juste besoin d'électricité, donc on va pouvoir le caler. Ici. Comme ça, ils n'auront pas bien loin à aller. On va le mettre là. Très bien, ils n'auront pas loin à aller comme ça. Et toi, priorité 4. Et 2. Voilà, 4 et 2. On applique. Merci. Très bien, ici, il va me falloir des camions bennes. On va les colorier. Oh, ça change pas grand chose. Oh, elle est en bleu. On va en mettre 3. Non, ça va rien. Bon, tant pis. Je les ai pris. Capacité totale, on a dit camion benne. Camion poubelle. Lui, il est bien. On peut les mettre en bleu. On peut pas les mettre en bleu. Bon, bah, orange. Quoique, c'est orange, c'est de base. Gris. Voilà, 5. On t'ajoute ça. Et puis pour les eaux usées. Pour le principe. Voilà, c'est bon, on t'a tout mis. Manque de carburant, évidemment. Très très bien. Manque de carburant, donc toi, ça veut dire... Non, c'est un point de collecte. Toi, on te rajoute... lui. Merci. J'ai pas besoin d'essence particulièrement pour l'instant. Il faudrait que je fasse autre chose quand même. Et ouais, toi, tu vas arrêter. Tu transportes. T'es quoi toi? T'es un. Ouais, t'as camion poubelle. Puis t'es déjà à fond. Viens. Ah oui, parce que je t'ai cassé. Très bien, tu viens là et t'arrêtes ça. Toi, pareil. Et toi, pareil. Toi pareil parce que t'es plein. Est-ce qu'il y en a un autre qui tourne? Je crois pas, hein. Je crois que j'en avais mis 4. Pour ça j'en ai un peu trop là. Des camions. Si j'en ai un autre là. Ok, bon ça fait beaucoup. C'est pas très grave. Pour l'instant en tout cas. Toi tu tournes bien. C'est bien. Ça veut dire que l'autre ils vont se consacrer les 3 camions envoyés. C'est cool. Les camions poubelles ils tournent pas. Est-ce que ça s'accumule au moins? Oui, ça s'accumule. Un petit peu. Et la deuxième, je sais plus où est-ce que je l'avais mise. Et là. Ça s'accumule? Ça s'accumule. Et vous, vous bougez pas. En même temps, je vous en ai peut-être bien un peu beaucoup. Non, vous avez peut-être pas d'essence. Si, vous avez de l'essence. Et vous vous occupez de tout ça. Merci. Toi là-bas. Quelle distribution? Toi. Ouais, merci, tu t'occupes pas de tout ça. Voilà. Attendez, j'ai une place disponible. J'ai une place disponible, attendez, on va rapatrier un. Un blanc. Qu'on va mettre là-bas. Voilà. Là, il est content. Toi t'es à 41 tonnes et toi là-bas t'es toujours Ah non, t'es à 14 tonnes. C'est bien, ça essaye. Donc on importe moins. Et on sert enfin notre charbon. Charbon qui sert à rien parce que de toute façon on ne produit pas. Ah si, on a quand même 13 employés. Et 6. Ça s'accumule.
Pas de bistrot, pas d'hôpital. Oui, ça arrive. Priorité, le bistrot. Ok, on va mettre... ici. C'est le bistrot de la gare. Est-ce qu'on peut les renommer, eux? Oui. Ah, bistrot de la gare, très bien. Toi, je t'ai pas mis de bus. Ah, y a pas de bus. Ça sert pas à grand chose, mais bon, on sait jamais. Dépôt. On va t'acheter... deux petits bus comme ça. Je l'ai peut-être teinté, c'est mieux. Allez, en bleu. Très bien. Et toi, tu vas donc faire ce trajet de là à là. Très bien. Tu peux partir. On duplique sur lui. Et tu peux partir aussi, de toute façon ils vont faire la queue hein, pour passer et tes petits vont se décaler. Parce que là on a combien de monde qui attend? Ah, du monde hein. C'est cool. Ok, mon poubelle, toute l'infrastructure est prête. Votre besoin, vous avez dit... ah oui, bistrot, il faut peut-être que je le fournisse en alcool. Parce qu'il l'achète en plus. Qui a l'alcool? C'est toi hein, qui gère l'alcool aussi, non? Il gère tellement de choses lui. Ouais, il gère l'alcool aussi. Ça va, c'est loin. Hein. La dernière liaison va venir ici. Va falloir qu'on envoie par train hein, notre stock pour aller par là. On a les rails, c'est déjà bien. On a une gare ici, mais c'est seulement pour le charbon. Donc, qui nous sert pas d'ailleurs. C'est pas très grave. Enfin si, on s'en sert un petit peu maintenant. On s'en sert pour nos chaufferies. Ce qui sert pas à grand chose. Attendez, j'ai un bout de rue qui sert à rien là. C'est bon? C'est bon, c'est mieux. Très très bien, côté champ. Tout est pas semé, hein. ça veut pas. D'accord, ça a du mal. Laissez-moi en planter quelques-uns de plus. Voilà. Et on va mettre des gros champs. Qu'on va mettre. Ici. Je me suis assuré que tout soit vert. La route, ouais. Ok. On va en remettre deux. Comme ça, la ferme, elle aura de quoi bosser. Très bien. J'espère que ça va bien vouloir par contre relier tous les trucs. Normalement oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison si ce n'est que ça veut pas. Ok. Voilà, ça se fait. Très bien. Et toi, on te rajoute lui. Voilà. Par contre, il m'a fait des routes nulles, non? Ouais, il fait des vraies routes, pas des chemins en terre. En fait. Voilà, il a envoyé deux tracteurs, c'est cool. Comme ça, ils peuvent bosser un peu plus. Bon, on est déjà en mai, mais si je peux récupérer un peu plus de grains, ça nous servira pour le long terme. Ici, t'as tout ce qu'il te faut. Voilà, nourriture, c'est chaud. Vêtements aussi. Mais c'est bon, on les a. Chambre froide, c'est bon. Et le bistrot, non. Ils sont pas encore été approvisionnés. Mais il faut vraiment que je me fasse une route qui passe au-dessus des rails. Hein. On va aller jusque là et puis on va tourner. C'est chaud quand même. Je pense que c'est mieux comme ça. Ouais, ce sera mieux. Pour le principe quand même de pas croiser 15 rails. Mais je crois qu'il y avait des trucs de passage à niveau qui existaient. Hein. Point de passage. Non. Panneau de ville, ça c'est sûr. Là. Et là.
Oh, quoique la ville, elle peut commencer là. Très bien. Et la ville? Y a pas de nom ici? Si, y a un nom. Non, y a pas de nom. Ça, on te renomme. Tu vas t'appeler Madrigrad. Voilà. Madrigrad. Très bien. Ville zone, je peux pas la déplacer. Bureau de comptabilité pour les statistiques de la zone. Ah, intéressant ça. C'est où? Ici, bureau de comptabilité. D'accord. On va le faire. Enfin, j'ai besoin d'emploi, c'est ça le problème. C'est peut-être pas, c'est pas ma priorité. Hôpital. Large hôpital. Large hôpital. Je veux le meilleur pour Madrigrad. Construisons-le là. Ça me semble bien ici. J'ai pas géré forcément tous les déchets. Faut le mettre là. Voilà. Ça c'est bien. Côté gens, 105. Toujours 0. En voilà une centaine. Très bien, il me faudrait plus de maisons. Plus de maisons, toujours en, en préfab comme ça. Non, on va attendre. L'hôpital, attends, on peut mettre en pause. Annuler le contrat. Terminer soi-même. J'ai plus de sous. Bon bah tant pis, j'ai plus de sous, de toute façon l'argent, ça va, ça vient, y a pas de problème en fait, ça va progresser tout seul, hein. On en gagne quand même, faut pas l'oublier ça. On est en autosuffisance électrique, donc les trains vont rouler, tout va bien se passer quand même, et ça va se faire, j'ai confiance, 2500 jours, hein. Ça, c'est vrai que ça va vite. Moi qui voulais me faire une maison. J'avais oublié que l'hôpital... Mais ça coûtait combien l'hôpital? Ah oui, 330 000, j'avais que 200 000. Ah bah oui, ça risquait pas en fait. Il y a même pas l'électricité, il y a le chauffage, il y a l'eau, il y a pas les égouts. D'accord, on a tout oublié. Heureusement, on a le tourisme qui nous aide. Attendez, on va lui mettre... L'électricité, on dit qu'il n'y avait pas. Non, il n'y a pas. Faut qu'on lui mette l'électricité. Hop. Qu'on va pouvoir mettre là. Devant l'hôpital, bien sûr. Avec sa liaison souterraine. Tu peux payer en dollars, s'il te plaît. Que ça avance, ça. Ah, c'est loin. Tellement loin. C'est pas grave, viens jusque là et finis ça là. Voilà. Il y a l'électricité maintenant. Et on a dit qu'il nous fallait les égouts. Les égouts. Hop. On va mettre là aussi, ici. Hein. Voilà, très bien. Ah oui, c'est ça va où? On va se mettre là. Là-haut. Ouais, là. Très bien. Du large qu'on envoie ici. Et toi, du moyen. Parce que je pense que l'hôpital, ça doit produire beaucoup. Qui vient jusque-là. On en est où? 86%. Au moins, ce sera servi de nos dollars. Moins 3000 sur le mois. C'est parti vite. D'ailleurs, ça me fait penser, on pourrait inviter des occidentaux. On peut pas. Ils veulent pas venir chez nous, les occidentaux. Non mais ils veulent pas, qu'est-ce que je vous dise.
Ouais, transférer. Ah non, c'est transféré, d'accord, depuis. Tant pis. Est-ce bientôt fini qu'on gagne des sous, s'il vous plaît? Notre premier large hôpital. Très bien, employé médecin requis. Il faudrait une ambulance aussi. On a des roubles qui rentrent. Acheter avec des dollars. Un hélicoptère. 14 passagers. Ah oui, c'est là. Ouais, d'accord. Oui. 29 000 $, on en a ici pour 28 passagers. D'accord, on va commencer par des petites ambulances bleues. Hein. Non, pas celle-là, on va mettre celle-là. Est-ce qu'il y a du bleu? Il n'y a pas de bleu. Il y a du jaune. Bon, bah, celle-là, vas-y, ça fait bizarre, mais vas-y. Je peux pas, j'ai plus de sous. D'accord, heureusement qu'on a le tourisme, hein, ça nous permet d'importer des choses. Il y a quelques patients. Ah, mais on achète du pétrole aussi. Attendez. Toi. À l'hôpital. Merci. Ouais, on a dû aussi avoir des impôts à payer. Enfin, pas des impôts, mais des remboursements. Toi, tu restes 654 000. D'accord. Les pénalités font mal, hein, mais heureusement, on n'a pas eu de retard de paiement. Ok. Très bien, on va au moins s'acheter un véhicule. Oh, j'ai de la marge. 3 ambulances. Voilà, on a de la marge. Et 23 000, ouais, c'est en train de remonter grâce aux exportations. Ouf, c'était chaud. T'en es où, toi? 45 tonnes. Très bien. Et toi, t'avais débloqué quoi? D'accord. Et toi, t'as pas de tonnes de charbon. Ouais, c'est chaud, le charbon, hein. Faudrait que j'en amène ici par train, que je le stocke pour faire les approvisionnements plus rapides. Et ici, évidemment, c'est toujours embouteillé. Presque envie de le mettre à sens unique, cette route. Mais bon, on va se limiter à ça. Combien de monde? 0. 0. C'est utile. 11 personnes ici, 9 ici. Impossible de stocker ou d'exporter le charbon. Eh ben, il va falloir qu'on commence à s'en servir, notre charbon. Mais ça, ce sera certainement pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi la création de Madrigrad. Madrigrad. Avec moi. N'oublie pas de vous abonner pour pas rater les futurs épisodes où on va continuer d'agrandir la ville. Parce que là, bon, on a 300 habitants dedans. C'est juste ridicule. Mais ils sont heureux, c'est déjà bien. Et puis, bah, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Madrigan.